Le champion d'Afrique, Édouard Mendy, a retrouvé ses coéquipiers de Chelsea aux Émirats pour la Coupe du Monde des clubs. Le gardien sénégalais resté sur le banc de la demi-finale remportée hier soir face au Saoudien d'Al Hilal. Le Marocain Hakim Ziyech, grand absent de la CAN, est désormais retraité international. C'est le premier signalé, mais le seul but du match a lui été inscrit par le Belge au Congolais Romelu Lukaku. Hakim Ziyech, encore lui, aurait pu mettre les Blues à l'abri en seconde période et leur éviter une dernière frayeur sur une action bien amenée par le Nigérian Odion Ighalo. Chelsea affrontera les Brésiliens de Palmeiras en finale. Champion d'Afrique déchu, l'Algérien Bagdad Bounedja retrouve les terrains au Qatar avec son club d'Al-Sadd, mais aussi le chemin des filets. Sa géniale inspiration permet au leader du championnat de creuser un peu plus l'écart sur son poursuivant, Aldo Hail. Le club du Kenyan Michael Olunga compte 7 points de retard et 2 matchs de plus qu'Al-Sadd. Olunga, qui n'était pas à la CAN, continue d'empiler les buts. Son nouveau doublé mercredi porte à 21 son nombre de réalisations cette saison.